say. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I, 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 do I. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Do I, 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 do I. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. Don't mean a, don't mean a thing. Voilà ce qu'est le jazz. C'est spontané. C'est un swing instantané. La différence entre le jazz et la musique classique occidentale, c'est que le jazz est souvent joué en contretemps, et le contretemps est tout aussi important que la mesure. Les musiciens classiques doivent répéter, apprendre leur instrument et étudier la musique pour ensuite devenir des virtuoses. Mais le musicien de jazz, lui, doit d'abord devenir un virtuose et ensuite donner une structure et une logique à la musique, et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Nous n'appelions pas ça du jazz. King Oliver et Louis Armstrong non plus, d'ailleurs. Mais nous ressentions très profondément cette musique. Et nous savions que si nous pouvions persévérer et devenir des professionnels, c'était celle-là que nous voulions jouer. À cette époque-là, le jazz était péché. C'était une musique inculte. En fait, on dénigrait ceux qui tentaient d'en jouer. Je crois que le jazz est la première musique populaire universelle. Il reflète la culture des peuples et nous oblige à être ouverts à toutes sortes de musiques. Bien que ses racines soient profondément ancrées en Afrique orientale, depuis près d'un siècle, le jazz tire sa force, sa vitalité et ses couleurs de nombreuses cultures. L'histoire du jazz, c'est l'histoire de ces artistes aux talents créateurs qui ont inventé une nouvelle musique. Et c'est aussi celle de son évolution et de ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ce croisement de différentes musiques qui allait devenir le jazz a commencé lorsque les esclaves africains ont été amenés aux Antilles et mis en contact avec la culture et les religions européennes. Bien que la musique sacrée occidentale, avec ses sons polis et discrets, ne ressemblait aucunement à la leur, ils n'ont trouvé que de subtiles différences dans les rites et un amalgame a commencé à se former. L'assimilation interraciale progressait rapidement en Nouvelle-Orléans, carrefour du marché des esclaves en provenance des Antilles. Le dimanche après-midi, on leur permettait de se rassembler sur la place où, pour quelques heures, ils pouvaient exorciser leurs douleurs et leurs frustrations par un rituel de danse et de musique plus passionné que tout ce que ce continent avait connu jusque-là. C'est ici, au Congo Square, comme on l'appelle aujourd'hui, qu'est né le jazz. Un témoin l'avait décrit ainsi, une divertissante variété, une innovation exhilarante et constante, ainsi que d'incessantes improvisations dans les tournoiements, le balancement des bras, les postures et les bonds des danseurs. Les tambourineurs martelaient leurs tambours et les autres musiciens formaient un cercle autour d'eux, assis au sol les jambes croisées. Un des principaux instruments était une gourde à demi remplie de cailloux et de grains de maïs. Des musiciens faisaient résonner des triangles et d'autres tiraient des sons incroyables de leurs guimbardes.
D'autres encore utilisaient des clés sur des squelettes de mâchoires de bœufs, de chevaux ou de mules pour en tirer des sons. Mais l'instrument principal était le banjo. Dès les années 1830, ce spectacle improvisé du dimanche était devenu une attraction populaire. Un couple d'immigrés européens y amenèrent leur jeune fils, Louis Moreau Gottschalk, et ce dernier en conserverait un souvenir indélébile. 10 ans plus tard, après avoir étudié le piano et la composition à Paris, Gottschalk, alors devenu la coqueluche des salles de concert américaines, médusait les spectateurs avec des sons étrangement similaires à ceux de Congo Square. Une de ses compositions, intitulée « Le banjo », présageait de ce qui allait se produire un demi-siècle plus tard. Bruyant et facile à transporter, le banjo, originaire d'Afrique, est rapidement devenu l'instrument de choix des ménestrels ambulants, dont le style décousu et syncopé est à la source de cet amalgame euro-africain que nous appelons le jazz. Mais il a d'abord inspiré le ragtime. Quelques 50 ans plus tard, les transpositions de ce que Gottschalk avait entendu à Congo Square marqueraient profondément un jeune compositeur afro-américain du nom de Scott Joplin. La musique ragtime s'inscrivait en prolongement de celle de Gottschalk, et Joplin en était le maître incontestable. Le ragtime a d'abord acquis sa popularité dans le Midwest américain et s'est répandu sur le reste du continent, incluant la Nouvelle-Orléans, où il a profondément influencé les musiciens qui deviendraient les créateurs officiels du jazz. Ainsi, les graines plantées à Congo Square et qui avaient germé au Missouri étaient revenues fleurir en Nouvelle-Orléans. Il apparaît évident que le jazz n'a été créé par personne en particulier, mais au tournant du siècle, alors qu'il commence à prendre une forme identifiable, un musicien se démarque, le cornettiste Buddy Bolden. Il a été le premier grand jazzman, la première authentique légende du jazz. On ne conserve de lui qu'une photographie floue datant de 1895, souvenir évanescent de sa musique disparue depuis longtemps. King Buddy Bolden était le premier, rapportait le cornettiste Bunk Johnson. Il envoûtait toute la Nouvelle-Orléans avec son orchestre et on le suivait frénétiquement partout où il se produisait. « De toute ma vie, je n'avais jamais rien entendu de semblable », clamait le pianiste Clarence Williams. Bolden a été le premier d'une succession de trompettistes célèbres de la Nouvelle-Orléans qu'on a nommé les rois de la trompette. Parmi eux, on compte Freddie Keppel, Joe Oliver et enfin celui qui deviendrait la personnification du jazz, Louis Armstrong. Louis Armstrong est le jazz. Selon moi, il représente tout ce que cette musique signifie. Vous pouvez déceler l'influence de Louis Armstrong chez tous les trompettistes de jazz. Parce que, comme je l'ai dit, il a été le père de la trompette de jazz. Bien sûr, il avait eu Buddy Bolden comme mentor, mais Armstrong a été le premier à enregistrer des disques que nous avons tous utilisés comme modèle. Et vous pouvez repérer son phrasé musical et sa clarté de ton dans la musique de Miles Davis, Roy Eldridge et Dizzy Gillespie. Malgré leur style différent, vous entendez des éléments de la musique d'Armstrong. Parce que tout le concept de la trompette de jazz vient de lui. Ce qui confère à Louis Armstrong toute son importance, c'est qu'il a consolidé tous les éléments de jazz qui existaient auparavant. Dans ce sens, il est comme un héros mythique. En premier lieu, il avait atteint le plus haut niveau de virtuosité instrumentale. Il jouait aussi bien, sinon mieux, que n'importe quel trompettiste de sa génération. Et il comprenait parfaitement tous les différents styles de musique de l'époque.
Il comprenait les subtilités de King Oliver, le chant de Bessie Smith, le Negro Spiritual, ainsi que tous les aspects de la musique américaine de son temps, et il arrivait à faire passer tout ça dans son instrument. Il est aussi, sans contredit, le père du solo instrumental structuré d'aujourd'hui. Lorsque nous parlons de lui, je tiens toujours à souligner qu'il a fallu des centaines de trompettistes dans les rues de la Nouvelle-Orléans pour produire un seul musicien du calibre de Louis Armstrong. Avec sa population alors composée d'un riche mélange ethnique qui prisait les danses, les pique-niques et tout spécialement les parades, la Nouvelle-Orléans offrait l'environnement parfait pour un nouveau langage artistique. La Nouvelle-Orléans du tournant du siècle était le creuset des cultures africaines, antillaises et européennes qui l'ont chacune enrichie de sa musique et de ses coutumes. Parmi ces multiples institutions culturelles, on compte la première compagnie d'opéra en Amérique. Bien que les Noirs américains y occupaient les emplois les plus fastidieux et les moins rémunérés, la scène artistique était fort prometteuse et la Nouvelle-Orléans, avec son effervescente activité sociale, se révélait un lieu privilégié pour les musiciens de talent qui pouvaient y trouver du travail. Les musiciens de jazz étaient principalement autodidactes et ces mêmes notes liées ainsi que ces vibratos grossiers qui se seraient attirés les foudres de n'importe quel professeur de musique faisaient le ravissement des publics de cabaret. Le jazz provoquait un mouvement spontané du corps et sa séduction, loin de se limiter à la Nouvelle-Orléans, commençait à se répandre partout. Le trompettiste Freddie Keppard a amené le jazz à Los Angeles en 1912 et General Morton s'est produit sur scène lors de l'exposition de San Francisco en 1915. Mais la côte ouest des États-Unis ne s'était pas avérée un terrain propice pour ce nouveau son originaire de la Nouvelle-Orléans, et Morton partit se produire à Chicago et Détroit. Morton, un vantard à la personnalité colorée, s'octroiera plus tard tout le mérite d'avoir inventé le jazz. Bien sûr, personne ne l'a cru. Par contre, sa musique des années 20 était à plusieurs égards très avant-gardiste et annonçait déjà l'ère du swing. Lorsque Nick LaRocca a formé le Original Dixieland Jazz Band avec d'autres musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans, ils ont prétendu être les créateurs du jazz. Ils se sont produits à Chicago et à New York, mais leur musique plus ou moins authentique ne plaisait qu'à ceux qui n'avaient jamais entendu de vrai jazz. On se souvient d'eux aujourd'hui parce qu'ils ont enregistré en 1917 le tout premier disque de jazz et démontré qu'il y avait un marché pour cette nouvelle musique. Mais il faudra encore 5 ans avant que des musiciens noirs puissent aussi enregistrer des disques de jazz. Dès lors, les disques deviendraient le principal véhicule de cette musique. Et jusqu'à ce jour, les jeunes musiciens continuent d'apprendre le jazz en pratiquant avec les disques de leurs idoles. En 1919, le Southern Syncopated Orchestra de Will Marion Cook fit une tournée en Angleterre à l'instar du Original Dixieland Jazz Band. À Londres, le jazz fit la conquête des musiciens classiques. Et après avoir entendu jouer Cook, le chef d'orchestre Ernest Ansermet écrivit la toute première critique de jazz, qualifiant de génie ce clarinettiste de la Nouvelle-Orléans. Également en 1919, Kid Ory performait à Los Angeles avec un orchestre de la Nouvelle-Orléans. Louis Armstrong travaillait sur un bateau de plaisance sur le Mississippi avec l'orchestre de Fate Marable et Joe King Oliver jouait à Chicago. En Nouvelle-Orléans, la fermeture du quartier malfamé de Storyville a forcé plusieurs musiciens à s'exiler. Dans les villes industrielles du nord des États-Unis, les immigrants noirs étaient très réceptifs au blues et au jazz. Mais les jeunes blancs avaient eux aussi la piqûre. Le jazz était l'écho parfait du bouleversement social et de la frénésie des années 20. À cette époque, Chicago était devenu le haut lieu du jazz, suite à un exode massif des Noirs des États du Sud qui venaient travailler dans les parcs à bestiaux, où on embauchait beaucoup de main-d'œuvre non spécialisée. Et cette population noire, une fois qu'elle eut atteint un bon niveau de vie, a commencé à faire venir des artistes du Sud pour son divertissement.
C'est à ce moment que King Oliver, Jelly Roll Morton et tous ces musiciens de jazz sont venus à Chicago. Et à l'époque, j'ai livré les journaux dans le quartier où il y avait toutes les salles de spectacle et les cabarets. Et c'est comme ça que j'ai pu les voir. J'épiais Joe Oliver lorsqu'il sortait du club où il jouait et je le suivais dans la rue, à une certaine distance, juste pour étudier sa démarche. Il portait un long manteau noir et un grand chapeau usé. Je voulais simplement le voir et apprendre tout ce que je pouvais de ces musiciens de la Nouvelle-Orléans. De la lignée des orchestres ambulants, ceux de la Nouvelle-Orléans n'avaient pas de pianiste. Mais King Oliver, pour s'adapter à la tradition de Chicago, embaucha Lil Hardin, une jeune démonstratrice de partitions musicales. Elle a été une des premières grandes instrumentalistes de jazz et Joe Oliver est devenu un des grands noms de jazz à Chicago. En 1923, Oliver fit appel à Louis Armstrong qui partit retrouver son idole à Chicago avec comme tout bagage un sandwich à la truite. Il trouva avec l'orchestre d'Oliver le parfait exutoire à sa débordante créativité et en Lil Hardin, il trouva une épouse qui jouerait un rôle primordial dans sa carrière. Dans une entrevue, la femme d'Armstrong racontait que Pops passait toutes ses journées à répéter la musique d'Oliver jusqu'à ce qu'elle lui dise « Pops, il faut que tu joues ta propre musique ». Tu ne peux pas singer le style de King Oliver toute ta vie. Oliver jouait essentiellement les lignes mélodiques. C'était lui qui donnait les accords. Enfin, si on se fie aux vieux enregistrements, sous l'étiquette Janet. Et ensuite, Louis est devenu cette célébrité. Mais nous ne savions pas qu'il deviendrait célèbre à ce point-là. Je crois qu'il est devenu le plus grand trompettiste soliste de l'histoire du jazz. La puissance de cet homme, c'était incroyable. Il y avait entre 15 et 20 trompettistes blancs qui montaient la gamme jusqu'aux notes les plus aiguës. Et Louis les accompagnait, imaginez. Finalement, il a quitté Oliver King pour aller travailler dans une boîte du quartier Southside qui s'appelait le Sunset. Et naturellement, nous l'avons suivi. Il y avait une grande différence entre le Southside et le Northside. Parce que dans le Northside, on écoutait surtout du Big Spider Beck, du Bunny Berrigan et du Red Nichols. Cela a pris beaucoup de temps avant que Louis Armstrong perce à Chicago. Big Spider Beck, un musicien blanc qui avait commencé à jouer de la trompette sur les disques du Original Dixieland Jazz Band, était devenu un inconditionnel du vrai jazz en écoutant Oliver et Armstrong. Ses solos lyriques ont ajouté un nouvel élément au jazz. Mort d'alcoolisme en 1931, Big Spider Beck est rapidement devenu une légende au même titre que Buddy Bolden. Tout le monde parlait de Big Spider Beck et de Red Nichols. Mais il y avait un problème, parce que dans le Southside, il n'y en avait que pour Louis Armstrong. Et Louis Armstrong a tant donné, tant fait et légué tant de merveilleux disques qu'il a supplanté tous les autres. Louis adorait Big et Big adorait Louis. Chaque fois que Big était en ville, il venait écouter Armstrong au Sunset. Et nous, on l'apprenait et on allait le rejoindre. J'écoutais tout ce que Louis faisait et j'imitais ses solos. Je les apprenais par cœur et je pouvais tous les jouer.
Ensuite, quand j'ai joué dans son orchestre, je ne sais pas s'il était au courant que je pouvais jouer tous ses solos, mais je ne les ai jamais essayés avec son orchestre. Je pensais que ça ne se faisait tout simplement pas. Nous organisions des rencontres une fois par semaine, chez l'un ou chez l'autre, et nous écoutions des disques de Louis Armstrong. C'était merveilleux. À l'intermission, nous buvions du vin et nous parlions musique. Nous étions tous fascinés par cette musique. Je ne veux pas exagérer l'influence qu'il a eue sur moi et sur d'autres musiciens, mais elle a été profonde, et pas uniquement sur les musiciens. Je crois bien qu'il a marqué toute la scène culturelle américaine de son époque. Il n'y avait pas que les trompettistes qui subissaient l'influence de Louis Armstrong. Earl Hines, qui était le pianiste d'Armstrong dans les ensembles Hot Five et Hot Sevens, est devenu un des plus importants pianistes de jazz, en partie parce qu'il a transposé au piano les idées d'Armstrong. Comme la jeunesse américaine commençait à s'enticher de jazz, les directeurs d'orchestre de danse ont cru bon d'ajouter au moins un ou deux instrumentalistes solistes pour donner du piquant au son poli de leurs orchestres. Les solos de Beiderbecke ont enflammé le grand orchestre de Paul Whiteman, qu'un promoteur sûrement un peu confus avait nommé le roi du jazz. En 1925, Louis Armstrong a quitté Chicago et s'est rendu à New York, où il s'est joint à l'orchestre de Fletcher Anderson. Comme les orchestres de jazz s'agrandissaient, il devenait nécessaire d'écrire les arrangements musicaux. Or, Fletcher Anderson était le meilleur arrangeur de son temps, et c'était aussi celui qui avait le meilleur orchestre. Dans la section des cuivres, il y avait Coleman Hawkins qui a donné au saxophone ses lettres de noblesse en tant qu'instrument de jazz. Hawkins figure aussi parmi les musiciens qui ont été incontestablement inspirés par la virtuosité et le style de Louis Armstrong. Évidemment, New York développait son propre style de jazz. Le pianiste-compositeur James P. Johnson avait élaboré une musique qui était un mariage de ragtime et de jazz et créé le style vibrant du stride piano avec un jeu ultra rapide de la main gauche. Plus tard, inspiré par des danseurs de Charleston en Caroline du Sud, Johnson donnerait le nom de Charleston à la musique de danse qui créerait le plus grand engouement des années 20. Personne n'admirait Johnson autant que Thomas Fats Waller, le prolifique compositeur et l'auteur des succès Honeysuckle Rose et Ain't Behaving. Waller deviendrait célèbre au cours des années 30 pour sa musique au rythme irrésistible et sa vivacité d'esprit. Pourtant, sa carrière avait débuté en 1918, lorsque jeune adolescent, il jouait du stride piano à des soirées données dans les appartements afin d'amasser des fonds pour payer le loyer du mois. Les pianistes Hubie Blake, James P. Johnson et Lucky Roberts étaient d'extraordinaires musiciens. Pour eux, le piano représentait un orchestre en soi, la main gauche étant la basse et les percussions, et la main droite le reste de l'orchestre. Ils arrivaient à créer une infinie variété de sons et de nuances. J'avais été invité à un appartement par un merveilleux pianiste du nom de Clarence Prophet. Je ne le savais pas à l'époque, mais Thelonious Monk s'en inspirait beaucoup. Willie the Lion Smith et James P. Johnson étaient là. Ils étaient tous pianistes. Il y avait aussi un jeune qui devait avoir à peu près mon âge. C'était Thelonious Monk. Prophet a dit, « Les gars, j'ai amené un pianiste. Assieds-toi, petit, et joue-nous quelque chose. » Alors je me suis installé au piano et j'ai joué du mieux que je pouvais. Je jouais du stride avec ma main gauche et tout. J'avais peut-être joué 16 mesures quand l'un d'eux m'a dit, « C'est joli, ça, laisse-moi essayer. » Il s'est mis au piano et je n'ai encore jamais vu quelqu'un utiliser sa main gauche comme lui. C'était comme s'il jouait des deux mains avec une seule. J'ai eu toute une leçon. Thank you.
Pour me montrer qu'il n'y avait pas que ceux de leur génération qui savaient jouer, ils ont demandé à celui de mon âge d'interpréter quelque chose. Au point de vue rythmique, il y avait des différences entre sa façon de jouer du stride et la leur. Je me suis dit, ce Thelonious Monk, c'est quelqu'un à surveiller. Et puis, on a parlé. C'est-à-dire, après m'avoir servi ma leçon et s'être assuré que je rentrerais chez moi pratiquer, ils m'ont parlé comme si j'étais un des leurs. La plupart des gars de cette génération étaient comme ça. Ils vous donnaient d'abord la fessée, et ensuite ils vous accueillaient dans leur club. Et c'était ceux-là même qui avaient dûment administré des fessées à Duke Ellington et à un tas d'autres pianistes qui arrivaient en ville, mal préparés. Lorsque Duke Ellington est arrivé à New York en 1923, il jouait dans un orchestre dirigé par le banjoiste Elmer Snowden. Il allait rapidement être reconnu comme compositeur et directeur musical. Et à mesure que les artistes de talent en provenance de partout aux États-Unis arrivaient à Harlem, ce quartier de New York devenait le haut lieu de la culture noire américaine. Harlem éclipsait Chicago en tant que creuset de la nouvelle musique et donnait un nouvel essor aux cabarets et aux boîtes de nuit. Dès la fin de 1927, l'orchestre de Duke Ellington était installé au Cotton Club de Harlem et rapidement, grâce à la radio, sa musique était diffusée dans tous les foyers à travers les États-Unis. Le rythme accentué et élaboré du swing sensuel de l'orchestre de Duke Ellington était devenu synonyme de la renaissance culturelle qui s'accomplissait à Harlem. Un réputé médecin new-yorkais publia les résultats d'une étude qui associait le jazz à la promiscuité sexuelle et concluait en ces termes « Le jazz intoxique autant que le whisky et éveille de fortes passions animales ». Pourtant, un nombre sans cesse grandissant d'Américains jugeait que le rythme langoureux du jazz constituait la prescription idéale pour une sortie réussie. Pour dissiper tout doute sur l'éventuel manque de classe du jazz, il suffisait de voir jouer le suave Duke Ellington, qui était à l'orchestration l'équivalent de ce qu'Armstrong était à l'improvisation. Au piano, Ellington livrait sa propre version du stride, mais son véritable instrument était l'orchestre. Alors que la plupart des musiciens sautaient d'un orchestre à l'autre, ceux d'Ellington restaient très longtemps avec lui. Et cela lui a permis d'écrire des partitions en fonction de musiciens bien spécifiques. L'orchestre de Duke Ellington était devenu une telle institution que les critiques musicaux le plaçaient dans une catégorie à part. Thank you.
Son registre d'expression musicale qui reflétait le rythme de vie américain est le plus facile à comprendre de tous les compositeurs. Durant sa longue carrière qui s'est étendue jusqu'aux années 1970, Duke Ellington s'est adressé à toutes les formes de jazz, du jazz pour danser, du jazz à écouter sérieusement et du jazz simplement pour se divertir. Et il a su le traiter comme un grand art. En Europe, dès le début des années 30, le jazz ne constituait déjà plus une innovation digne de défrayer les manchettes. Louis Armstrong y était aussi célèbre qu'en Nouvelle-Orléans, et Paris était devenue une ville de prédilection pour les musiciens afro-américains. Il s'était produit à Berlin en 1924 et avait incorporé des thèmes wagnériens à sa musique. Les critiques avaient crié au blasphème, mais avaient néanmoins adoré chaque note. Et Wooding alla se produire à Leningrad, Barcelone et en Amérique du Sud. Les trompettistes Valeida Snow et Buck Clayton donnèrent tour à tour des concerts à Shanghai. La nouvelle musique s'était répandue partout. Aux États-Unis, la Grande Dépression et le cinéma parlant avaient porté un coup fatal au vaudeville si populaire au cours des années 20 et qui offrait aux jeunes artistes une occasion unique de voyager. Lorsque l'argent se fit soudainement rare, de telles opportunités disparurent. Mais lorsque William Basie, un jeune pianiste originaire du New Jersey et un protégé de Fats Waller, tomba malade à Kansas City au cours d'une tournée, il s'avéra qu'il était au bon endroit au bon moment. La décision d'un politicien local de ne pas réglementer l'alcool avait encouragé la prolifération des cabarets et des boîtes de nuit à Kansas City, qui était devenue la Mecque des orchestres de jazz. Lorsque je suis arrivé à Kansas City, c'était une ville ouverte et Tom Pendergast en était le maire. Et naturellement, à cause du statut spécial de la ville, c'était plein de prostituées et de proxénètes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors il y avait de l'action à toute heure du jour et de la nuit. Et naturellement, ça a attiré les musiciens parce qu'il y avait beaucoup de boîtes de nuit. Ils venaient du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Je jouais avec des orchestres locaux. Nous faisions des tournées de Kansas City à Chicago. Puis nous revenions à Kansas City et ainsi de suite. Si vous remontiez la 12e rue, vous ne trouviez que ça, des boîtes et encore des boîtes. En fait, c'était pareil à travers toute la ville. Il y avait toutes sortes de musiciens partout dans la ville. Après avoir travaillé avec plusieurs groupes différents, incluant le Blue Devil de Walter Page, Basie s'est joint à l'orchestre de Benny Moten, à partir duquel il formerait son propre ensemble. Quand nous faisions des jam sessions, Count jouait deux ou trois fois plus de morceaux que ceux qu'il interprétait sur scène, parce qu'il pratiquait avec nous les leçons qu'il avait. La première fois que je l'ai entendu, il pouvait jouer ceci. Avec la main gauche, vous savez, ce qu'il appelait du stride piano. Très peu de jeunes musiciens jouent encore du stride aujourd'hui. Ils jouent des styles différents, mais le stride, c'était vraiment quelque chose. Count y excellait. Il a fini par développer son propre style. Vous savez, il arrivait à le jouer avec seulement trois doigts. Didn't take but three fingers to do it. Basie a appris le blues à Kansas City. Vous savez, il ne faisait pas juste jouer ce que vous appelleriez du blues en général. Il jouait plusieurs sortes de blues. Thank you.
Il jouait du blues swing. Il jouait du blues lent. Il jouait du blues rapide. Du blues triste. Du blues comique. Vous voyez, c'était comme One O'Clock Jump. C'est aussi du blues. Mais il ne faut pas dire ça aux gens parce qu'ils ne l'accepteraient pas. J'avais grandi au son du blues lent, pas le blues swing, et lorsque j'ai entendu Bessé jouer du blues swing, il a fallu que je m'ajuste. Je me suis dit, mon Dieu, quelle façon différente de jouer du blues. Et j'ai adoré ça. Dans son orchestre, Count avait les deux meilleurs saxophonistes ténors en ville, Lester et Herschel. Ils ont trouvé Lester ici, quelque part, dans l'est de la ville. À cette époque, Lester était le meilleur saxophoniste que j'avais entendu. Il avait commencé à jouer avec un saxophone alto. C'est plus tard qu'il a changé pour un ténor. C'est la raison pour laquelle son timbre était si léger. C'était tout un saxophoniste. Lester Young avait introduit dans l'orchestre de Count Basie le son nouveau et plus léger du saxophone ténor. Après avoir entendu Lester Young, je savais sans l'ombre d'un doute que c'était du saxophone que je voulais jouer, parce qu'ils avaient simplement tout transformé. En plus du séduisant Steel Stride joué par Count Basie, son orchestre présentait une impressionnante brochette de jeunes solistes, ainsi que Jimmy Rushing, un chanteur originaire de Kansas City, dont la musique vocale était explosive. Sur la scène locale, on trouvait aussi le pianiste Pete Johnson qui jouait avec deux musiciens de Chicago, Albert Ammons et Mead Lott Lewis, un style de musique connu sous le nom de boogie-woogie et dont la popularité secourait la nation entière au cours des années 40. Kansas City a aussi produit le 12 Clouds of Joy, l'orchestre de Andy Kirk, dont la pianiste Mary Lou Williams, qui écrivait presque tous les arrangements, deviendrait une des premières grandes dames du jazz moderne. La dernière figure marquante à émerger de Kansas City a également été un des plus grands musiciens de jazz. C'était Charlie Parker, un ancien élève de l'orchestre de Jay McShann. When I was in school, lorsque j'étais encore à l'école, je disais à mes parents, je dois veiller tard ce soir pour étudier. On a un examen demain et je veux être prêt. Et ils pensaient, ce garçon est vraiment très studieux. Moi, je leur racontais cette histoire parce que je savais qu'il y aurait une émission de radio en provenance du Grand Terrace avec Earl Hines. Alors, à 23h30, j'allumais la radio, je réglais le son au plus bas possible et j'écoutais le présentateur crier « Father Hines,
Father Hines. J'adorais entendre cela. Je n'avais pas eu l'occasion d'écouter beaucoup de cette musique parce que mes parents étaient très religieux. Et il y avait un certain nombre de choses auxquelles ils ne croyaient pas. Alors j'étais forcé de contourner les interdits. Au cours des années 30, l'outil promotionnel le plus important pour les orchestres était la diffusion en direct à la radio. Les doses quotidiennes de telles émissions ont accéléré l'avènement de l'ère du swing et hissé certains chefs d'orchestre au rang de stars du cinéma. Hollywood venait chercher des musiciens tels que Artie Shaw, Duke Ellington, Tommy Dorsey, ainsi que Benny Goodman, dont l'énorme popularité lui a mérité le titre de roi du swing. Fletcher Anderson, dont les arrangements ont largement contribué à rendre Goodman célèbre, ne fit pas l'objet d'une telle promotion. Alors que de proéminents musiciens noirs proliféraient, l'attention des médias n'était dirigée que sur leur vis-à-vis de race blanche. Pour la seule et unique fois, une forme de jazz était devenue la musique la plus populaire des États-Unis. Gigantesque carnaval de swing. 30 orchestres réputés se relaieront pendant 6 heures pour jouer cette musique au rythme endiablé. Pour ces 30 000 spectateurs mordus de danse, cet événement est comme un aperçu de la terre promise. À cette époque, tous les orchestres se produisaient dans les salles de danse. Aux États-Unis, il y en avait des milliers. Et il y avait une foule de danseurs sur la piste de danse. Il y avait des concours de danse avec des juges. Et les gens dansaient sans s'arrêter toute la journée et toute la nuit. Ceux qui se fatiguaient et s'endormaient étaient disqualifiés. Si vous ne saviez pas danser et que vous entendiez l'orchestre de Bessie, vous l'appreniez sur le champ. C'était tout simplement fantastique que de jouer dans l'orchestre de Count Basie. On se fichait bien des autres groupes. Vous savez, à cette époque-là, il y avait une féroce compétition entre les orchestres, y compris votre orchestre et celui de Erskine Hawkins. On ne voulait rien savoir de vous. Votre orchestre jouait du swing, mais... Vous savez? Ouais, je vous jure qu'on avait tout un orchestre. D'accord, c'était le meilleur orchestre de swing. Et en plus, nous avions tous ces solistes. Oui. Voyons voir. Nous avions Lester, Herschel, Buck, Joe Jones, la section rythmique All-American, Walter Page, Freddie Green et Basie. On se fichait de tous les autres, incluant Benny Goodman, Tommy Dorsey, n'importe qui. Ça ne faisait aucune différence, on était les meilleurs. Au Savoy, à New York, vous savez, à l'époque où il y avait cette guerre des orchestres, c'était les cuivres qui créaient toute l'ambiance. Les musiciens dansaient. Ça stimulait le public et le public adorait ça. Mais vous voyez, c'était l'art de la mise en scène. Il y a du rythme au Lindy Hop de Harlem, le pays du swing, la patrie des pieds légers et lieu d'origine de plusieurs nouvelles danses. Alors Harlem swing jusqu'aux petites heures du matin. Venez en grand nombre swinguer au Lindy, danser au son du rythme. Les gars et les filles sautent, dansent et se déhanchent et semblent faits de caoutchouc. Vous vous souvenez combien la piste de danse du Savoy était immense? Et de voir tous ces danseurs swinguer comme ça, c'était impressionnant, vous savez. Et c'est comme ça qu'ils dansaient, en suivant parfaitement le rythme. Vous tous, les mordus du swing, approchez. Nous allons vous montrer ce qu'est un véritable orchestre de swing. Dans la section rythmique de l'orchestre de Artie Shaw, nous avons la batterie, le piano, la guitare et la basse. Vous entendez la section rythmique comme musique de fond dans tous les airs de swing. Et par-dessus tout, il y a cette savante mélodie.
Artie Shaw et sa célèbre clarinette. Il y a également la section des saxophonistes qui jouent la mélodie et les harmoniques. Et enfin, pour donner toute sa couleur et sa pleine dimension à l'orchestre, voici la section des cuivres avec les trombones et les trompettes. Et tout ceci donne la meilleure qualité de swing au monde. Mais je pense que c'est Jimmy Lunsford qui avait le meilleur orchestre de danse. C'était un orchestre de danse fantastique. Tous ces magazines de jazz, entre autres le Métronome et le Downbeat. Je courais me procurer mon exemplaire du Downbeat qui se vendait 10 ou 15 cents, je crois, et on y rapportait tous ces échanges de musiciens dans les différents orchestres. C'était comme la Deuxième Guerre mondiale entre les orchestres. Un jour, vous lisiez que certains musiciens quittaient l'orchestre de Bessé pour celui de Lionel Hampton, et la semaine suivante, ils quittaient Lionel pour retourner avec Bessé. Alors tous ces noms m'étaient devenus très familiers. Au fur et à mesure que les chefs d'orchestre devenaient célèbres, les solistes le devenaient également. Des membres de l'orchestre de Goodman, tels que Harry James, Gene Krupa, Teddy Wilson et Lionel Hampton, finiraient chacun par avoir son propre orchestre. Roy Eldridge, Lester Young, Johnny Hodges et virtuellement tous les musiciens de l'orchestre de Duke Ellington sont devenus des célébrités. Popularité de ces orchestres, c'était souvent les chanteurs solistes qui attiraient les foules et faisaient vendre les disques. Et pourtant, les chanteuses étaient souvent considérées comme un excédent de bagages par les musiciens des orchestres, qui les surnommaient les canaries ou encore les gazouilleuses.
Les instrumentalistes se sont inspirés de la virtuosité d'Armstrong à la trompette. Mais quand on parle du jazz chanté, on peut dire que c'est lui qui a écrit le mode d'emploi. Les chanteurs copiaient son phrasé sans vergogne et s'efforçaient d'adapter son approche instrumentale au chant. Si vous n'utilisiez pas le phrasé musical de Louis Armstrong, ça n'était plus du jazz américain ni de la musique américaine. Son phrasé était incontournable. C'était la seule façon de chanter de la musique populaire américaine. J'allais visiter une de mes tantes qui habitait le quartier qu'on appelait le Sugar Hill. Elle avait des 78 tours, un tourne-disque Victrola et tout. Et je faisais continuellement jouer les disques de Louis Armstrong. Et vous savez, je n'avais pas plus de 10 ou 11 ans, mais je l'écoutais, l'oreille collée au haut-parleur. Ah, c'était quelque chose. C'est le premier que j'ai entendu avant Billie Holiday. Mais Lady est arrivée après Pops. Pops. My man don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. C'était un son très personnel, une sorte de son plaintif. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre le rendre de cette façon. Et c'était inédit. C'était le style original de Lady Day. Sa voix possédait cette qualité d'intimité. On sentait qu'elle avait vécu ce qu'elle chantait et qu'elle savait de quoi elle parlait. Elle avait aussi ce qu'on appelle du charisme et qui vous donnait l'impression qu'elle ne chantait que pour vous. Et je crois que c'est ce que Lady m'a donné. Je trouvais qu'elle était très moderne, extrêmement moderne, parce qu'il n'y avait personne d'autre, excepté Pops, Louis Armstrong, qui chantait avec autant de mélancolie dans la voix. Je comprends pourquoi elle disait que Louis Armstrong était une de ses idoles. En écoutant Louis Armstrong, Billie Holiday a appris l'art de transformer la voix humaine en un instrument de musique. Par sa voix, elle devint une partie intégrante de l'orchestre. Et à l'instar d'Armstrong, elle a transformé ses chansons en une signature personnelle.
Une autre grande source d'inspiration pour Billie Holiday fut Bessie Smith, dont la voix chaude, puissante et parfaitement synchronisée avait éclipsé celle de May Ray, dont le timbre grave et rauque s'apparentait plus aux chanteurs de blues masculins. Bessie Smith, qui voyageait en tournée dans son propre wagon de train et qui était la vedette de spectacles de vaudeville, pouvant présenter jusqu'à 40 artistes, était sans contredit l'impératrice du blues. On pourrait également la qualifier de première jazz. La chanteuse vedette des années 20, mais sa popularité s'est évanouie durant la dépression, alors que les amateurs de blues ont commencé à se tourner vers un style de swing plus enlevant, comme celui de jeunes artistes montants, tels Billie Holiday, la première chanteuse d'importance des années 30. Durant la dépression, les gens allaient parfois chercher un peu d'espoir dans les concours de talent. Certains s'épuisaient dans des marathons de danse, d'autres allaient chercher la gloire sous les projecteurs de leur théâtre de quartier. Ella Fitzgerald concours. Elle fut embauchée dans le groupe Chick Webb et porta un vieux refrain pour enfants, Tisket Tasket, au premier rang du palmarès. Ella Fitzgerald a poli son style et atteint un haut niveau d'expression vocale en mariant avec succès le jazz et la musique pop. Elle est devenue l'incontestable reine du scat, une forme de musique vocale que Louis Armstrong avait perfectionnée au cours des années 20. J'ai grandi sur la 52e rue. Mon professeur habitait la 52e rue. Cette rue extraordinaire où logeaient Art Tatum, Errol Garner, George Shearing, Lester Young et Billie Holiday. Ils habitaient tous cette petite rue. Au début des années 40, alors que d'innombrables musiciens revêtaient l'uniforme et partaient à la guerre, à New York, le haut lieu du jazz s'était déplacé de Harlem vers un seul bloc d'une rue du centre-ville, sur la 52e rue entre la 5e et la 6e avenue. On avait dénommé cette rue, qui avait déjà abrité des bars clandestins, la rue qui ne dort jamais. Mais tous les chauffeurs de taxi la connaissaient simplement sous le nom de la rue. Les petits ensembles musicaux ont joué un rôle important durant toute l'ère du swing. Et ici, les boîtes embauchaient des orchestres de tout genre. Les prestations les plus excitantes avaient souvent lieu quand des musiciens venaient faire une visite impromptue et se joignaient à l'orchestre. J'étais au 7e ciel. Jouer sur la 52e rue, vous savez, avec ses 20 boîtes de nuit sur le même pâté de maison et tous ses musiciens fantastiques, Art Tatum jouait juste en face. Coleman Hawkins jouait dans la boîte juste à côté avec Don Byers et Thelonious Monk au piano. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on commençait à entendre sur la 52e rue une nouvelle musique qui avait été lancée au Minton's Playhouse à Harlem.
C'est là que le trompettiste John Burks Gillespie, une émule de Roy Eldridge, avait formé un ensemble avec Charlie Parker, un saxophoniste de Kansas City, le pianiste Thelonious Monk, Charlie Christian, un précurseur de la guitare électrique et d'autres musiciens. Leur musique de jazz au style unique fut d'abord appelée le rebop, puis le bebop et enfin le bop tout court. Minton a eu une grande influence à Harlem, car on y jouait tous les styles de jazz, de la Nouvelle-Orléans à Chicago, incluant les plus récents accords de bebop du moment. C'est là que Monk a commencé à faire de la musique avec Charlie Christian. Et c'est là qu'ils ont créé cette musique, le bebop. Comment c'est arrivé, on ne le saura jamais. C'était comme un genre de miracle que Dizzy, Charlie Parker et Miles se soient tous réunis et aient créé cette musique appelée le bebop. En 44, c'était pas encore le vrai bebop. C'était ce que j'appellerais du pre-bop. Il comprenait déjà une combinaison de tous les éléments qui allaient conduire au bebop. Le genre d'innovation que Bird et Diz ont apporté et que Monk aussi a apporté. Avant le bebop, c'était concentré sur le swing avec tout ce que cela comportait. Le bebop a incorporé au swing une manière entièrement nouvelle de jouer les phrases qui était, je dirais, scientifique et plus profonde. Et cela exigeait une plus grande connaissance des accords et de la musique. Nous avons été le premier orchestre de renom à jouer cette musique, à utiliser les progressions d'accords et des choses comme ça. C'était un son différent. C'était un grand orchestre. Aujourd'hui, je peux bien le dire. I love the rhythm in the riff. When the music jumps, I get lift. Body, little, anything to make it swing. I love the muted trumpet tone. Blend it with the mellow saxophone. But little, what a lot of kicks it brings. Miles, Kenny Durham, tout le monde est passé par cet orchestre. À la section des cuivres, il y avait Bird, Dexter Gordon, Gene Ammons et Leo Parker. Ouais. Et au trombone, il y avait J.J. Johnson, Benny Green, Howard Scott, Chippy Outcutt et Jerry Valentine. Ils y étaient tous les cinq. Art Blakey était à la batterie, Connie Wainwright à la guitare, Johnny au piano et Sarah Vaughan chantait. Aucune vedette, comme vous pouvez le voir. Billy Eckstine était un des meilleurs chefs d'orchestre de son temps. Peut-être le meilleur. Il connaissait la musique. Il vous appuyait. Il soutenait vos improvisations. C'était trop nouveau. Les gens restaient plantés là devant l'orchestre. Ils ne dansaient pas. Si vous jouiez à une soirée dansante, ils restaient là à vous regarder. Ils ne dansaient pas. Mais quand j'ai réussi à briser la glace, j'ai reçu 267 dollars. On n'en fait plus des comme ça. Bien sûr, le bebop avait ses détracteurs. Éventuellement, la plupart ont changé leur fusil d'épaule, mais il s'est trouvé des promoteurs et des critiques qui ont utilisé la controverse pour mousser la publicité. Ils organisèrent des confrontations musicales entre l'ancien et le nouveau jazz en demandant aux adeptes de prendre parti.
Mais on a simplement continué à perpétuer le rythme et les expérimentateurs du Minton se sont joyeusement mêlés à leurs collègues moins aventureux de la 52e rue. Pour la plupart des musiciens, le bebop n'était qu'une forme de jazz qui s'était aventurée dans une nouvelle direction. Monk avait sa façon de jouer, Bud Powell avait la sienne, Miles Davis avait la sienne, Fats Navarro aussi avait la sienne. On appelait ça du bebop, mais chacun d'eux avait un style bien personnel. Ça sonnait comme ça. On a donc appelé utiliser le terme bebop pour qualifier cette musique, bien qu'ils la jouaient tous d'une manière un peu différente. J'imagine que si vous me dites que c'est du bebop, c'en était sûrement. Mais moi, je trouvais que c'était une musique très émouvante et très entraînante. C'était simplement une évolution naturelle de la culture. Dizzy, Bird, Kenny Clark étaient tous d'irréductibles individualistes. Monk a apporté ses harmoniques et cette sorte de déplacement rythmique. Vous vous attendiez à ce que le rythme progresse d'une certaine façon et il déplaçait cette progression un tout petit peu. Et ça, vous pouviez le repérer chez Charlie Parker. Vous pouvez l'entendre lorsque Charlie Parker va au-delà de la mesure et dans certains longs phrases de Dizzy Gillespie. Charlie Parker avait cette nouvelle approche musicale. Nous avions la musique, mais il nous manquait, comment dirais-je, le feu d'artifice. J'aimais beaucoup, voyez-vous, parce que Bird, bien qu'il pouvait être très technique s'il en avait envie, jouait quand même du swing. Il n'a jamais cessé de jouer du swing. Ses solos étaient si différents. Il avait cette façon de changer de tonalité, d'y revenir, de chevaucher une autre mesure et d'étirer ses notes. C'était la première fois que j'entendais jouer comme ça. Dès la première fois que je l'ai entendu, j'ai pensé... Voilà. Voilà comment notre musique devrait être jouée. Salt peanut. Salt peanut. Salt peanut. Thank you.
J'ai joué avec des orchestres qui avaient chacun un style bien particulier de rythme et d'harmonique. J'étais toujours au piano. J'enseignais des nouveaux trucs aux autres musiciens et eux aussi m'apprenaient des choses. Et un jour, j'ai dit, « Ouais, mais que dites-vous de ça ?» Je me rapprochais plus de Charlie Parker que de Monk. Mais peut-être que j'étais près de Monk pour les harmoniques. Tout semblait toujours centré autour de Thelonious. J'allais chez lui rendre visite. Mais Bud avait cette formidable technique au piano. Je veux dire, c'est lui qui a créé tout le concept du bebop au piano. Et tout le monde essayait de jouer du piano comme Bud Powell. Bud Powell? Wow, c'était tout un pianiste. Il était si différent. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il avait beaucoup d'idées nouvelles. C'était un homme très intéressant. Toutes ces roulades extraordinaires, ce feeling incroyable, ces immenses accords qu'il arrivait à jouer et ces extraordinaires tempos qu'il maîtrisait. Ce sont les deux pianistes qui ont créé le plus gros impact à l'époque. La plupart des pianistes suivaient Bud, mais quelques-uns d'entre nous suivaient Monk. Monk a été le premier que j'ai entendu jouer un accord comme celui-là. Un accord mineur 6 avec la sixte à la basse. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, « Oh, un instant, arrêtez tout !» Monk avait l'habitude de dire, « Quoi, vous voulez parler de l'accord mineur 6 avec la sixte à la basse ?» Alors j'essayais d'impressionner les gens avec ça. Parce qu'il avait ce quelque chose d'unique. Je crois qu'il est probablement notre plus prolifique compositeur. Bien sûr, Duke Ellington a composé beaucoup de musique, mais Monk en a composé davantage.
C'était un maître compositeur, parce qu'il avait cette extraordinaire originalité et toute cette créativité. Il conservait ce fond de blues, et en même temps, sa musique était très rythmée, très swing. Monk ne jouait pas du piano comme Oscar Peterson ou Bud Powell. Il en jouait comme d'un orchestre ou quelque chose comme ça. Je crois que Monk faisait simplement partie d'une époque dorée de la musique. Et comme toutes les époques dorées, celle-ci a eu une fin. Et après, cela prend un certain temps avant qu'il y ait une renaissance. Et quand je pense à tous ces musiciens, et je sais que vous parliez de rythme, je pense à Diz, je pense à Bird, à Bud, je pense à Monk, je pense à eux tous. Ils étaient uniques. Il y avait tant de musiciens marquants à cette époque. Vous ne savez jamais l'impact que vos créations auront sur le genre humain. Nous savions que nous voulions faire évoluer la musique. Si nous avons réussi, tant mieux. Si nous avons échoué, alors tant pis, désolé. Le bebop avait aussi sa reine, Sarah Vaughan, une autre émule de l'orchestre d'Eckstein. Sarah a été au bebop ce que Bessie Smith avait été au blues et Billie Holiday à la musique swing, une vraie diva. What a fresh... Quel son nouveau, vraiment neuf. Rien à voir avec Ella ou Billie Holiday ou aucune autre chanteuse de jazz. My heart and valley, you Cherokee. Dreams of summertime, all summertime go by. Throw my memory so tenderly and sigh. My brave Indian warrior, since first I met you, I can't forget you. You Cherokee, days of summertime, never, never gone by. Throw my memory so tenderly and dry. My brave Indian warrior, since first I met you, oh, I can't forget you. Je me rappelle que Sarah se disait plus inspirée par les cuivres et les musiciens qui en jouaient que par les chanteurs eux-mêmes. Ça, je peux le comprendre. La voix de Sarah me faisait penser à un bel instrument avant. On aurait dit un saxophone alto. Une voix superbe. Sa voix avait un timbre exceptionnel, une portée et une musicalité très distinctive, qui la rendait différente de toutes les autres. Et à l'époque, il était très important de se démarquer et d'avoir un son à soi pour faire carrière dans ce milieu. Maintenant, ça n'a plus d'importance si tout le monde a la même voix. En 1947, on présenta Dizzy Gillespie à Chano Pozo, un Cubain, chanteur, danseur et tambourineur de musique conga dont la performance l'a ébloui. La musique de Pozo était une authentique tranche de cette même musique qui avait inspiré Gottschalk un siècle plus tôt à la Nouvelle-Orléans. Gillespie, qui dirigeait maintenant un big band,
a entrepris avec Pozzo une collaboration musicale qui relia directement le jazz moderne à ses racines. On pouvait retracer les origines de ce jazz qu'ils ont appelé afro-cubain jusqu'à Congo Square et au-delà. La génération agitée de l'après-guerre a jeté son dévolu sur cette musique souvent frénétique qui nous a sorti de l'ère du swing. Dizzy était cool, Bird était cool, le bebop était cool. C'était la mode à suivre. Empruntant les allures et le jargon des musiciens de jazz noir, la génération beat déclamait sa philosophie et ses poésies au rythme des bongos et des sons mélancoliques et exotiques du jazz moderne. Au début des années 30, Duke Ellington avait déclaré ceci : « Je ne vaux rien si je n'ai pas ce swing ». À l'aube des années 50, un groupe de musiciens, dont Miles Davis et Jill Evans, annoncèrent la naissance de la musique cool, un son que l'on doit largement aux orchestrations richement texturées de Claude Thornhill. Jamais le jazz ne s'était encore autant éloigné de ses origines. Mais le son légèrement lointain de ce nouveau style de jazz ne ressemblait en rien à ce qui allait suivre. Cette historique naissance de la musique cool a ouvert la voie au quartet sans piano de Jerry Mulligan, le Modern Jazz Quartet, ainsi qu'à une série de collaborations hautement orchestrées entre Jill Evans et Miles Davis. Miles Davis est devenu le directeur musical le plus marquant des années 50 et il s'est encore plus illustré vers la fin de cette décennie en explorant une approche modale du jazz qui l'a conduit à former un extraordinaire quintet dont l'un des musiciens était un jeune saxophoniste ténor de Philadelphie du nom de John Coltrane. Coltrane a en quelque sorte créé une nouvelle vague musicale. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais les plus jeunes ont embarqué immédiatement. Je veux dire, on s'est tout de suite mis à en écouter. Au début, ça nous semblait étrange, et je me disais, je crois que j'aimerais mieux écouter Dexter Gordon, parce qu'il jouait certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et après l'avoir entendu jouer avec Miles Davis, tout le monde a eu le coup de foudre pour sa musique. Il avait l'habitude de jouer de très longs solos avec Miles Davis. Je crois que sa propre croissance s'est accélérée quand il était avec lui et qu'il a commencé à faire de la musique avec des structures modales. Il a dit qu'il avait plus appris avec Miles et de Miles qu'avec n'importe qui d'autre.
Et c'est dans ce contexte qu'il a fait le saut. Il a quitté l'orchestre de Miles et créé son propre ensemble. Nous allions souvent, lui et moi, à la bibliothèque de Philadelphie pour écouter du Stravinsky et de la musique classique. Nous étions intrigués parce que nous avions appris que Charlie Parker traînait la suite Oiseau de feu avec lui et qu'il avait incorporé dans ses solos des éléments de musique classique. Pour moi, sa musique s'apparentait un peu à celle de Charlie Parker. Ils jouaient tous deux du saxophone comme si c'était un autre instrument. Ils faisaient des variations et différentes choses, comme les pianistes ou les violonistes. John Coltrane suivait la lignée des grands saxophonistes ténors qui avaient débuté avec Coleman Hawkins et continueraient avec Lester Young. Son style d'improvisation unique, quelquefois décrit comme des couches de sons liés, a stimulé l'imagination de nombreux jeunes. D'autres le trouvaient trop avant-gardiste, du moins jusqu'à l'arrivée de Ornette Coleman, qui reléguerait tous les autres au rang de traditionalistes. Était-ce du jazz? Certains pensaient que non, mais c'était certainement de l'improvisation. Ils l'ont appelé freeform, forme libre. En rétrospective, on s'aperçoit que bien que Ornette Coleman avait entrepris de libérer le jazz de ses restrictions harmoniques et rythmiques, son concept était actuellement bien plus discipliné qu'il n'en paraissait au premier abord. Certaines de ses idées avaient été implantées des années plus tôt par un musicien expérimentateur du nom de Charles Mingus. Au cours des années 60, il transforma ce chaos musical soigneusement calculé en un véritable commentaire social. La ligne qui délimitait les sons chaotiques de Mingus du soi-disant jazz d'avant-guerre était très mince. Mingus savait exactement ce qu'il faisait. Il créait un chaos pour passer des messages chocs, tandis que de nombreux musiciens d'avant-garde produisaient un chaos musical pour cacher leur ignorance de la musique et des techniques musicales. La musique de Mingus a perduré, celle de Ornette Coleman également. Ils étaient de réels avant-gardistes, de même que Miles Davis et John Coltrane, qui de son côté effectuait sa propre recherche. Il voulait se libérer de ces changements d'accords radicaux imposés par le bassiste ou le pianiste. Il a donc joué tout ce qu'il était possible de jouer sur ces accords, de haut en bas, de l'endroit à l'envers et en diagonale. Il s'est rendu au bout de ce qu'il pouvait faire. Et quand il jouait à la batterie, il n'avait plus à se soucier des changements d'accords, des tons, des clés et des trucs comme ça. Il était libre de jouer comme ça lui plaisait.
Il avait progressé si loin dans sa musique qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, du moins selon les autres. Pas selon lui, parce qu'il expérimentait toujours autre chose. Il cherchait inlassablement. C'était sa qualité, la recherche, et il découvrait toujours quelque chose. Coltrane a puisé profondément dans les musiques orientales et africaines, s'immergeant lui-même dans les philosophies et les religions orientales, ce qui a fait de lui une sorte de gourou. Bien qu'il soit mort avant la fin des années 60, ses contributions à la musique de jazz sont considérées parmi les plus importantes de cette décennie. Les collégiens qui avaient supporté le jazz au cours des années 50 se tournèrent vers le rock'n'roll durant les années 60. Certains musiciens, à l'inverse des premières tendances, tirèrent leur inspiration de la culture des jeunes. Miles Davis a ouvert la voie au début de la décennie en électrifiant littéralement sa trompette pour son jeune public. En 1969, son disque intitulé Bitches Brew lançait un nouveau style de musique surnommé Jazz Rock Fusion. Au cours des années 70, le style fusion dominait la scène de jazz avec des orchestres dirigés par d'anciens musiciens de Miles Davis. Ce style a réussi à captiver les jeunes, mais plusieurs trouvaient que le jazz avait été dilué jusqu'à le rendre méconnaissable. Et le jazz plus traditionnel est revenu en force dans les années 80. Plusieurs jeunes musiciens redécouvraient le jazz traditionnel. Bien qu'un grand nombre se concentrait sur le bop, leur musique reflétait une profonde compréhension de l'histoire du jazz et de ses principaux artisans. Le problème, c'est qu'il semble qu'après les innovations de Coltrane, le jazz soit arrivé à un point mort. Voilà la leçon fondamentale que nous avons apprise de tous ces musiciens. C'est que bien qu'il nous faille maintenir un certain niveau de compétence, nous devons aussi encourager l'individualité pour que la musique puisse vraiment évoluer. Parce qu'il faut comprendre que le jazz est encore une très jeune musique. Elle ne date pas de 400 ans ou quelque chose du genre. C'est un phénomène relativement récent. Le jazz est encore en période de développement. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Nous ne pouvons non plus trop regarder en arrière ni régresser. Il faut continuer d'avancer. La plus importante, sinon la seule contribution originale américaine au domaine artistique, semble maintenant vivre un arrêt dans son évolution, mais cela ne diminue en rien son importance. Depuis le tournant de notre siècle, le jazz a diverti les publics et influencé les arts à travers le monde, et il continue à le faire. À l'instar des musiques de Mozart et de Bach qui demeurent vitales, le jazz conservera son importance prépondérante, même s'il devait cesser d'évoluer. Il y a aussi le fait que les musiciens classiques ne craignent pas l'aspect intellectuel. Ce qui a peut-être le plus nui au jazz a été ce refus de reconnaître la capacité intellectuelle requise pour créer de la musique. Un refus pur et simple, ce qui signifie que chaque génération est plus faible que la précédente, puisque vous ne pouvez produire des gens qui ont l'intellect nécessaire pour se défendre des attaques des ignorants. En cette fin de siècle, deux jeunes musiciens prennent la relève. Et il se pourrait bien qu'ils comptent dans leur rang le prochain Armstrong, Ellington ou Parker. Il est peu probable que le bop et ses variations créées par Coltrane nitivent de l'évolution du jazz. L'avenir le dira. On continuera de passer le flambeau et il se trouvera toujours quelqu'un dont le style de jazz correspondra exactement à ce que vous aviez envie d'entendre. Black acts in America have not learned that once their record is off the charts, they're finished. You know, they haven't learned that. It's so true. I heard a speech by Jesse Jackson, you know, and he was saying that we must recognize that we're only useful as long as we're necessary. As long as you're necessary. So when we become unnecessary, then we're no longer useful. So they don't realize that your strength
comes from your community. And you have to deal from your strength. You have to deal from your strength, because in dealing from your strength, you got somebody. So if somebody grabs James Brown or want to hurt James Brown, somebody going to raise a voice and say, why are you bothering my brother James Brown? Because he got some soldiers around him. He got somebody that's concerned, that cares about him. But when you're dealing as an individual, no matter how big you get, as a black individual, you're still a nigger. You don't care how much money you get, you are still a nigger. And when you start that by yourself, you are all alone. Well, I'll tell you when how. You become unnecessary. Can I get a drummer song? Can I get a drummer little taste? Do unto others as you would have them to do unto you. Would you have somebody burn you up and lynch you and tell you where to go and how to look and then refuse to pay you? Would you have somebody take advantage of your woman, Jack, and you can't even speak to his? Would you like to pay taxes for something that you never received? Do unto others as you would have somebody do unto you. And I don't have to use the word FM backwards. We left Africa in shackles and fetters and chains. You know, we're coming back in an aura of splendor and scintillating glory. The champions are here. Champions, so we try to get the champions of the sports world, champions of the music world. So we put them both together, and we got one champion that's so intermingled and intertwined that we're fused into one entity. This one, brother says something there. Don King put this together. It was not a color put it together. You understand? I'd like to call him the Messiah. Ce match que Don King avait imaginé pour sortir de l'anonymat était tout pour lui. C'était la notoriété assurée, du moins aux États-Unis, ou bien alors l'oubli en cas d'échec. Oh, I'm so happy to see you, my brother. Oh, good. This is the Minister of Finance. I am. Yes, I have met the Minister of Finance. How are you? I recognize and appreciate your talent and your expertise. You know, this is what it's really all about. I welcome you with love. That's all I'm saying. You know, we must deal with it as such, but with love, you know? Not with hostility and alienation, you know? Just but with love. Bravo, Mr. King! Bravo! King had this huge... En accueillant les gens, Don King rayonnait d'amabilité. Personne ne savait vous accueillir comme lui, si chaleureusement. Je connaissais son passé, je savais qu'il avait fait de la prison, qu'il avait mauvaise réputation. Mais peu importe, avec lui on se sentait bien. Il avait un aspect physique saisissant, et chaque journaliste avait sa fameuse chevelure de King. Pour certains, il aurait mis les doigts dans une prise. Ou bien il est tombé dans le vide. Le combat était donc suspendu. Il semblait que le match aurait quand même lieu, mais c'était la panique. Tout le monde voulait savoir ce qui allait se passer. Nothing really as big as this here runs smoothly anyway. Anything worth while is worth fighting for. So we have a situation here that we have been struck with adversity, and that you think about what Shakespeare said, you know, the sweet uses of adversity, ugly and venomous like a toad, yet wears a precious jewel in its head. Venomous like a... Ugly and venomous like a toad, yet wears a precious jewel in its head. Combien d'organisateurs de combats de boxe auraient pu citer Shakespeare? Bye.
I'm gonna go play me some soul music, man. All right, come on. The Spinners. James Brown.